Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur Pokémon. Voilà, donc on a choisi notre personnage, c'est Matrix. Voilà. Et on peut même choisir le nom de notre meilleur ami. Donc moi j'ai choisi Quentin. Et voilà, notre meilleur ami et Matrix. Ensemble, Quentin et Matrix. Est-ce qu'on est prêt à découvrir ce jeu? Oui, on est prêt à découvrir le monde des Pokémon. Ensemble. Charge médité, nom de blanc. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. N'hésite pas aussi à aller voir la dernière vidéo qui est juste ici, voilà, c'était une vidéo FIFA. N'hésite pas à aller voir, ça fait toujours plaisir. On avance dans notre Ligue 2, voilà, on fait des bons matchs. On en perd aussi mais on fait des bons matchs. Je t'invite à aller voir, ça fait toujours plaisir. Passe voir aussi la page Instagram qui est juste ici, voilà, avec des publications, des stories chaque semaine pour te dire qu'une nouvelle vidéo est sortie. Il y a du sondage, des questions, voilà. T'as ton avis a une grande importance pour moi. La page TikTok aussi est juste ici. Avec, je fais pas mal de TikTok, de réels en ce moment. Sur la page Instagram aussi. C'est un truc de fou. N'hésite pas à aller voir. Je t'invite aussi à liker et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi. Voilà aujourd'hui, petite vidéo. Non, même grosse vidéo Pokémon. Voilà, c'est le deuxième épisode aujourd'hui. Je te laisse aller voir le premier épisode si tu l'as pas vu. Superbe épisode. Voilà, c'est vraiment une belle série d'aventures qu'on a. On va essayer de la torcher en ce moment. Là, on va aller d'en sortir plusieurs pour que ça avance. On la termine parce que il y a Pokémon Arceus qui est sorti et j'aimerais bien le commencer celui-là aussi. Donc voilà, on va y aller sur les Pokémon. Je te laisse voir l'épisode et puis je te laisse kiffer aussi. Hein. Avant de quitter Félicité et de rejoindre la deuxième ville, il faut quand même que nos Pokémon progressent et qu'ils montent de niveau. Pour ça, on rencontre plusieurs dresseurs, plusieurs Pokémon, on fait plusieurs combats. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on doit agrandir notre équipe. Voilà, on n'est que 3 Pokémon, je vous rappelle, avec Castor, Oisillet et Tortipus, notre starter. Donc, on doit avoir un autre Pokémon, au moins 2-3 autres, pour compléter l'équipe. Et j'aurais bien aimé avoir un Lixie, c'est le Pokémon que je voudrais. Donc, à la recherche du Pokémon idéal, on rencontre plusieurs Pokémon. Hein, depuis, et là on arrive quand même à le trouver chez Claire qui de rejoindre notre équipe et Nosferapsi, donc 5 Pokémon qui composent notre équipe maintenant. Direction la deuxième ville, et pendant ce temps là, on rencontre un campagnard qui nous offre la capacité éclat rock qui va nous faciliter la vie dans les grottes, et la rencontre de grosses pierres racaillou qui composera l'équipe. 6 Pokémon maintenant. Ah, le vieux Quentin, qui lui aussi, il a bien avancé, il a déjà son premier badge. Et nous, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la championne. La championne qui pourra avoir notre premier badge, nous aussi. Donc apparemment, elle aurait fait une petite virée dans les grottes. C'est pour ça qu'on y va. Est-ce que c'est elle? D'accord, elle nous a expliqué comment ça marchait éclat de rock qu'on a eu le CTC avant. Ok, donc là on nous explique un peu comment ça marche, les types, les faiblesses, les points forts. Allez, direction la championne, on veut la vaincre. Ce sera pas compliqué, ça sera pas difficile d'y aller jusqu'à vers elle dans cette arène, ça sera pas compliqué parce que la faiblesse du type roche, c'est type plante. Et nous, nos starters, c'est type plante. Donc on est très très bien. Voilà, on arrive à battre le premier dresseur, le deuxième aussi. Aucun Pokémon ne peut se mettre à travers notre chemin. On veut la championne, on l'aura. Allez là, let's go. Pierrick, On va te tuer, on va te défoncer. Là, faut que on gagne ce combat pour avoir notre premier badge. Et son Racaillou ne fait pas face à nous. Voilà, donc on va la vaincre facilement, très facilement, parce que je vous ai dit, Tortipus est le point, la faiblesse des types roches comme ça. «
Onyx qui n'a pas fait le poids con non plus. C'est son dernier Pokémon. Va-t-elle pouvoir... Va-t-on gagner? On est bien parti. Ah, sa potion ne servira à rien. C'est gagné, c'est remporté. Notre premier badge est à nous. Le premier badge sur les 8 que nous offre le jeu. Donc on va pouvoir quitter la deuxième ville. Quentin aussi, lui qui va nous suivre, qui va aller vers la prochaine ville. Avant, on a fait le tour dans une petite grotte avec Éclat de Roc. On a pu se faufiler un petit peu. On part à l'excursion dans la grotte et on arrive à s'en sortir. On passe la grotte facilement. Voilà, des dresseurs qui vont pouvoir nous faciliter l'augmentation du niveau de nos Pokémon. C'est ce qu'il nous fallait. Toujours, on a vraiment les Pokémon stagnent. Surtout, ils se suivent bien. Le plus bas doit être à 10 et le plus haut c'est Tortipousse avec 16. Ça se suit bien. On a vu Oisillet qui a évolué. Voilà, on a eu l'évolution d'Oisillet. Très efficace les Pokémon dans les combats. C'est pour ça qu'on arrive à les passer facilement. On reçoit Mew. Mais on va pas le mettre dans notre équipe parce que il est en retard avec par rapport aux autres. Donc on a rejoint l'autre ville. Voilà, après tous ces combats contre tous les dresseurs. Et on rencontre la team. Ils sont partout, ils nous bloquent le passage. On peut pas aider la ville. Parce qu'ils sont en train de poser des soucis, ils veulent récupérer tous les Pokémon. La team Galaxy. Donc ils nous posent des soucis. Mais rien n'arrête nos Pokémon et Matrix. Et la montée des Pokémon qui continue. Je vous ai dit, le dernier, celui qui est un peu en retard, il est au niveau 12 et les autres au niveau 16, 17. Donc ça suit bien, ils sont tous réguliers. Donc là, on va faire plusieurs combats contre la team Galaxy qui nous bloque le passage et qui pose des problèmes à la ville, à Floraville. Donc on va aider la ville. Nous, on est généreux. Voilà, on remporte notre premier combat contre le sbire numéro 1 et le sbire numéro 2 on a réussi aussi le combat aussi. Ah, on a réussi à rejoindre le parc éolien. Ah, qui était fermé à clé. Et oui. La team Galaxy qui est surpris qu'on soit là. Et on va se battre contre 3-4 sbires de la galaxie. De la team Galaxy, pardon. Mais rien ne nous arrête. C'est vraiment le Pokémon le plus chelou celui-là. Hein. La grosse boule blanche là. On a trouvé son point faible. C'est l'attaque électrique. Avec notre Shaclair.
Et oui, chez Claire qui évolue. Quelle évolution, il est vraiment magnifique. Et oui, on rencontre le boss après 3-4 sbires de la team Galaxy. On rencontre le boss, admin. Là, c'est un level. Hein. Va falloir le combat. Il va être rude. Ok, on l'avait mis très mal avec notre Machoke. Et on arrive à remporter le match. Par contre, on devient très très riche. Elle nous a offert 1355 €. Et en même temps, dans la foulée, Tortipousse qui évolue. Super. Quelle évolution. Nos Pokémon qui évoluent en ce moment. Beaucoup. C'est grandiose. C'est grandiose. Donc, on a réussi à sauver la ville. La Team Galaxy qui a quitté les lieux. On se fait remercier par tout le monde. C'est super. Trois Pokémon ont évolué. Oisillon, Tortipousse et Shéclair. De superbes évolutions en plus. Et on continue le chemin à la rencontre de dresseurs pour améliorer nos Pokémon toujours. Faut toujours les entraîner. Oh, ça c'est un beau Pokémon, c'est un Ponyta. Ça c'est très très beau. Hein. Bon, il va pas faire long feu face à notre Oisillon, mais... Très beau Pokémon. Et voilà, il nous reste plus qu'à aller vers Vestignon, rejoindre Quentin avec nos 6 Pokémon. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Nous, on se dit à mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Ça sera sur Clash Royale. On se dit à mercredi. Passez une bonne journée. Et ciao la team.